down. Cause I'm coming on strong. Grass should have looked greener. I need a true believer in the sky. Salut les bandits. Oh, ça y est, on va chercher le véhicule, il est prêt. C'est trop bien. Voilà, donc là on est en train de préparer les affaires. Je suis un petit peu stressé parce que j'ai envie de faire ça bien. Il faut que je prenne les GoPro, enfin voilà, tout ce qu'il faut, micro, parce qu'il va faire un peu plus de bruit que Captain, donc faut que vous puissiez m'entendre. Je suis en train de tout préparer. Voilà, je prépare mon petit matos, les enfants ils se préparent, Charlotte elle se prépare, tout le monde se prépare, on se met en route, on se dit à tout à l'heure. Hein, je vous laisse, à tout à l'heure, sur la route. Allez, à tout à l'heure, on va chercher le bébé, on va chercher Martin. On est sur la route, ça y est, on va aller chercher notre petite maison. Surexcité. On s'est jamais préparé aussi vite. Ouais. Franchement. On a vu qu'il était préparé, ça y est. Garage a dit c'est bon, vous pouvez venir chercher. Oh là là. On devait y aller que demain, mais on s'est dit vas-y viens, on y va maintenant. On va rentrer, il va faire noir, ça se trouve. Ouais, bah c'est pas grave. On a pris des caisses à outils au cas où. Toujours partir avec des caisses. Caisses à outils. On sait jamais. Des petites cochonneries. Voilà, plein de trucs, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Allez, à plus tard. Petit monster, non, c'est pas bien, non. Et du coup, on va chercher Martin. On est trop excités. Vous allez enfin le découvrir. Vous allez le découvrir. Ça ce moment tant attendu. Là, on a 3 heures de route environ. 3 heures et demie, c'est ça? On a 3 heures. On a 3 heures de route. Voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Et on va faire la route du retour ensemble aussi. Ça va être autre chose que Captain, vous allez voir. Hein. Soyez pas trop, n'ayez pas trop peur. On va faire quelque chose de bien avec. Bon, moi je serai pas là, hein, parce que forcément je rentre avec la voiture. Ça peut faire peur. Hein. Mais surtout non, la conduite. Mais en fait, ça va bien se passer. Et vous savez quoi? En attendant qu'on fasse la route, on vous met un petit extrait vidéo de quand on a été le voir pour la première fois. Parce qu'on avait fait des vidéos. Vous savez les vidéos qu'on a pixelisées? Allez, je vous les mets maintenant. Go! Si vous voyez cette vidéo, c'est que peut-être on a changé de véhicule. Hein. Regardez. Ta 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 ta. Attention, attention, attention. Tadam! Regardez. Hein? Ah, le truc de fou! Putain! Regardez la cabine, elle est immense! Elle nous emmène au McDo! Julien nous emmène. Alors, Julien, qu'est-ce que tu fais là dans ce gros camion? Elle nous emmène au McDo. Wouah, comment c'est grand! Ça va toi? Oh! Tu l'aimes bien? Tu l'aimes bien déjà? Oui, il est trop bien! Regardez en dessous! Oh là là, c'est tout neuf! Bah, c'est sale, mais c'est tout neuf! Il a 80 000 km, il est pas tombé! Oh la vache, il est énorme! On dirait un 4x4? Bah, c'est un 4x4, Théo! Oh là là, c'est trop bien! Excellent! Excellent! Regarde, c'est plus on est comme des ouf! Je sais, vous allez dire, c'est des dingues! On est des dingues! En fait, on était parti sur un 4x4. VL, un patrol avec une tente de toit. Et là, je vais sur le bon coin, il était là, il venait juste d'arriver. Il m'a dit, Jérémy, s'il te plaît, prends-moi, je veux venir avec toi en voyage, je veux m'appeler Martin. Et là, j'ai pas pu résister. Shérif. On n'a pas pu shérif, résister. Shérif ou Martin? Shérif. Martin. Non, shérif. C'est Martin. Shérif. Ça sera Martin. Shérif, ça sera Martin. Et ouais, je sais, on n'était pas parti sur ça, mais sur un coup de cœur. Ça se contrôle pas. C'est comme si vous prenez le train et là, vous voyez une femme. Et vous avez un coup de cœur. C'était peut-être pas la femme de vos rêves dans l'idéal. C'était peut-être pas votre idéal féminin. Mais là, vous rentrez dans le train. Et là, c'est un coup de cœur. Et vous êtes marié avec. Vous allez finir vos jours avec cette dame. C'est l'amour. Vous comprenez? Et bien, c'est ça que ça nous a fait. C'est trop dingue. Oh, j'inspecte, hein, normal. Toute petite fuite ici, un petit peu de gras. La boîte de transfert est bien accessible, hein. Boîte de vitesse, moteur, boîte de transfert. Toute petite fuite ici, ouais, ça c'est pas forcément bien grave, c'est l'émetteur d'embrayage. Ben non, l'émetteur d'embrayage, il est où? Ouais, ce serait l'émetteur d'embrayage qui aurait une petite fuite ici. Boîte de transfert, ça va. Oh là là, il y a de la place en dessous. Wow. On pourra probablement mettre des trucs. Hein. Oh là là. C'est trop génial. C'est trop génial. Regarde, t'as passé en dessous. Hop. Bah, il est passé même où? Pas besoin de cale. Pas besoin de mettre de cale. De cale, hein. C'est un truc de dingue, ça. Ouais, toi, tu veux faire tes graissages et hop. Ouais. Bon, double lame. C'est ça, double lame? Double lame, double paquet de lames. Wow. Il y a un faux châssis ou pas? On dirait qu'il y a un faux châssis, ouais. Ouais. Ok, bon, maintenant, mission, ça va être de le démarrer parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné. Bon, les coffres, ils sont tous.
Ils sont bons à tomber, ceux-là. Ils sont bons, plein d'araignées, ouais. Il faudra refaire les mêmes. Il faudra refaire les mêmes de la même dimension et garder les attaches. Si on le prend, attention, c'est pas dit qu'on va le prendre. Ouais. Il y a de grandes chances pour qu'on le prenne. Est-ce que vous voulez qu'on le prenne? Hein? Dites oui, s'il vous plaît. Je veux le prendre. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il m'a fait de l'œil. Je vous ai dit tout à l'heure. Il m'a fait de l'œil. Oh, t'étais trop près. Regardez ça, la bête! Tan 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 tan! Tan tan tan! J'avoue, le régulateur, c'est pratique. Hein. Alors ? Ouais, c'est trop bien. On l'aura dans Martin ? Non. Non, non. On l'aura pas ? Non. On aura au moins, quand on passe dans un tunnel, on aura au moins les phares qui s'allument tout seuls ? Non. Les essuie-glaces qui s'allument tout seuls ? Non. Ouais. Il y a au moins des airbags ? Non, mais non, chouchou, il n'y a pas d'airbag. La BS ? Non plus. Le SP ? Non plus. Bah, il y a quoi en fait ? Eh ben, il y a un volant, des roues, un moteur. Ok. C'est déjà ça ? Ouais, c'est une bonne base. Ouais. Il y a une vanne EGR ? Non, pas de vanne EGR. Ah bah, on va être tranquille. Il n'y a pas de débitmètre. On va être tranquille. Enfin, il n'y a rien de tout ça. Il y a au moins un réservoir pour mettre du gasoil. Ouais, il y a un réservoir pour mettre du gasoil. Ouais. C'est bon. T'inquiète pas. Ça va rouler. Il y a un moteur ? Ouais, il y a un moteur. Ok. T'inquiète. Bon. Ok, bon, allez, on va voir ça. Et on ira au bout du monde grâce à ça, par contre. Ok. Voilà. Sans ABS, sans moteur, sans allumage automatique. Vous êtes comment dans le temps ? Sans tout ça. Hein, ils allaient en 4L faire le Dakar, là, je sais pas trop quoi. Ouais, hein, ok. Ouais, ouais. Allez. Je crois qu'ils avaient tout ça avant. On va vous montrer tout ça tout à l'heure, alors. Encore, on est à mi-chemin, là, on est à mi-chemin. À tout à l'heure. Je t'assure, lui. Mais regardez les gens là-bas, ils sont posés, tranquilles, pépères, en train de manger. Et lui, il s'assoit et puis il dit... Eh ben, je vais m'asseoir, je vais prendre un petit bout de pain avec du fromage. Bah ouais, c'est à côté d'eux, chez moi ça sera du pain avec du fromage et rigoler. Bah c'est bien, on a égayé leur journée. Ouais, c'était gentil. Ouais, en plus, ils ont dit oui, il fait beau, on profite de. Bon. Franchement, c'était trop bien. C'est vrai qu'on a pas de caméra, j'aime bien faire ça, on est déjà rigole encore, regarde. Je te jure. T'es content de tes conneries? Ouais, j'aime bien faire ça. Il y en a pas encore. Ça fait de mal à personne. C'est vrai. Bon, bah on arrive bientôt au garage, le garage Alvez. Et Alves, ouais, excusez-moi, Alves. Là, on arrive. Donc, on vous reprend tout à l'heure. Voilà, allez, à tout à l'heure. Oh là là. Il est là, regardez, chouchou, tu veux le faire voir. Okay. On voit rien avec le. Il est comme ça. On voit rien du tout. Sinon, je me garde dedans. Vous le voyez? Moi, j'ai trop hâte. Bon, là, faire attention, on est au bord de la route. But it ain't over, no it ain't over, it is not over, not over, not over till I say so, this time I swear, I won't fall, and you will see, I'll show them all. But it ain't over, no it ain't.
Alors, tu l'aimes bien? Oui. Il y a un petit peu de boulot, il est vieux. Hein. Bah, ouais. Il y a un petit peu de rouille, il faudra qu'on rattrape tout, ouais. Châssis qu'on gratte et qu'on repeigne tout. Sinon, j'ai vu, ça part en plutôt bon état. Ça, c'était pour l'extincteur, ça. Ok? J'ai vu que la cabine, elle prenait un petit peu l'eau, mais rien de grave, hein, franchement. Faut regarder, il y a ça, ça fond. Tout ça, on va l'enlever de toute façon. Tout ça, on va virer. C'est trop lourd, trop gros, et puis ça, vous voyez, ça commence à rouiller au niveau de la fixation. Donc ça, on va faire attention. Les pneus à l'arrière, ils sont neufs. Devant, ils sont en bon état. Tout est en bon état général, mais c'est vieux, c'est dans son jus, donc il faut lui refaire une petite beauté, en fait, tout simplement. Hein? T'aimes bien? Donc voilà, le filtre air est neuf, toutes les vidanges ont été faites. On a tout un listing, et c'est ça qui fait la force du garage Alves, c'est qu'ils ont tout un listing de tout l'entretien depuis l'achat du véhicule neuf jusqu'à maintenant. Donc je sais exactement tout ce qui a été fait. C'est bien, bien écrit sur une feuille, tout nickel et tout, franchement c'est top. Donc il a vraiment été bien entretenu, bien révisé, et ça c'est cool. Il y a un haillon derrière. Donc le haillon, ce qui serait top, c'est de pouvoir le récupérer pour faire un porte-moto. Mais il faut voir si, le porte-aforia il va pas être réduit. Si on prend des gros trous comme ça, il faut voir si l'arrière ne touche pas en fait. Donc si ça touche tout ce système-là, je serai obligé de le remplacer. Et puis de faire un système avec un treuil ou des poulies pour faire monter la moto sur son rail et qui sera fixe. Voilà, mais si je peux récupérer ce système-là, l'avantage, c'est que ça lève une tonne, ça. Donc, je peux le moduler, je peux très bien mettre, si je veux un jour un quad, une grosse moto qui fait 200 kg, c'est pas grave. Faut vraiment que j'arrive à étudier le truc pour voir ce que je veux prendre derrière, tout simplement. Ouais. Donc ça reste à étudier, voilà. Alors, la classe, cool? Hein, t'imagines, on va passer partout avec des pneus comme ça. Regarde. Et encore, c'est pas les plus gros poids lourds, hein. C'est un petit poids lourd celui-là, il fait 13 tonnes en PTAC et en poids vide comme il est là, il fait 7 tonnes 3. Mais je vais vous montrer, à l'intérieur c'est rempli de meubles en métal, de meubles métalliques. Et il y a bien 500 là-dedans. C'est super lourd, à l'intérieur il y a plus, il y a au moins 800 kg. Et ça fait au moins 300 kg. Donc si vous recherchez un fourgon, un petit fourgon utilitaire, en 4x4 ou pas, vous n'hésitez pas à les appeler. Je vais vous mettre la photo du garage, on mettra le lien en description. Au niveau mécanique, c'est très bien entretenu. Et ça, c'est un plus, quoi, du coup. Ah, c'est un plus. Voilà. Ah ouais, ils font aussi du grenaillage peinture, c'est quoi ça? Grenaillage, c'est décaper une pièce, la mettre à nu, ouais. Et la repeindre. Une pièce de maison? N'importe, ça peut être des tables, des chaises. Genre les poutres et tout, les gens qui veulent décaper les poutres et tout, ouais. Non, ça peut être des jambes de voiture, non, ça peut être des portes. Des portails. Des portes. Oui, du grenaillage, comme du sablage, voilà, en fait. Mais c'est plus puissant, c'est ça? Et c'est de la grenaille. Voilà. Et c'est de la grenaille, c'est quoi la différence entre la grenaille et du sable? Je sais pas, moi. C'est plus costaud, la grenaille, c'est tout. C'est un minerai aussi? Ah d'accord, ok. Bon, ben voilà. Nous, on reprend la route parce qu'il va faire noir. Et ça va être... Ça va être très long et on vous mettra le lien du garage parce qu'il y a énormément de gens qui achètent des camions ici et qui les aménagent après. Donc voilà, mon avis, vous devez déjà connaître. Quand on a mis la vidéo la fois dernière, vous avez reconnu le garage. Voilà. Donc il commence à être pas mal connu. Ça fait 13 ans que vous faites ça. C'est ça que vous vendez les camions et tout. Donc voilà, le bouche à oreille commence à bien fonctionner. Donc surtout, n'hésitez pas. Comme vous êtes nombreux à nous demander souvent où est-ce qu'on peut trouver des camions, des 4x4, des petits fourgons, tout ça. Et bien là, on vous donne une adresse. Voilà. Ouais, allez, merci. En route, merci bien, puis à bientôt, bye bye. Bon, bien voilà, on va bientôt partir, j'ai tout installé, regardez, j'ai mis la GoPro ici, j'ai un petit micro, j'espère que le son ça va aller, vous allez voir, c'est autre chose que Captain, hein. Parce que Captain, on pouvait parler, on avait l'impression qu'on roulait pas en fait, comme le moteur était 12 mètres plus loin, et beaucoup plus silencieux, attention au choc. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, que ça filme. Oh les phares. Oh non, je suis encore en train de prendre ma ceinture, moi j'ai trop de mal. Moi aussi. Alors, tu vois, je moi le con, deux parties chacun, ça change pas. Warning, c'est où? Oh, ça fait du bruit. Elle tient bien ta batterie, toi? Bon, moi je l'ai prise aussi, ma console. Elle était à 60%. Là j'ai été lourde. Ah, là par contre j'ai pas trop mon sac, c'est un problème. Ça c'est trop bien, car si tu l'attrapes,
Comment ça, Moscou? On va prendre le gabarit en main. Là, je suis à 30 km/h. Voir la tenue de route, voir si ça part pas trop à gauche, à droite. Voir tout ça, quoi. Hein? Vous entendez ce que je vous dis? Ça va être génial! On va faire des chouettes vidéos, on sera obligé de crier tout le temps. Un cinquième. Je suis en cinquième. Okay. 40 km/h. Voilà. Posé. C'est pas la première fois que je fais une chouette vie. Ah si, il part le turbo, vous l'entendez le turbo? Oui. Excellent. Ça y est, ça commence à bricoler. Hop, devant, c'est bon. Hein? Ouais, on cherche une station essence. Là, je mets du dégrippant sur les lames, comme on va faire de la route. Ça va les libérer un petit peu si jamais il faut les démonter pour les graisser, comme j'expliquais tout à l'heure. Et ben ça va les faire travailler parce qu'elles sont toutes rouillées et c'est pas fait pour tourner à sec en fait. Déjà. Donc là on a fait devant, on va faire derrière. Là je fais que le paquet du bas parce que le paquet du haut c'est en renfort quand tu as une lourde charge, c'est elle qui vient, c'est ces lames-là qui viennent prendre le relais. Mais tu vois, ça se graisse des lames, c'est noté sur les notices, à graisser tous les temps de temps. Mais ils le font jamais. Donc, mais bon, là, c'est vraiment vite fait pour la route. Ouais, tu vas tout démonter, tu vas tout refaire. Ouais, quoi. C'est pour faire du bien. Hein. Oh là là, on s'est paumé. On est encore à Brive-la-Gaillarde. Regardez, on est posé sur un parking de magasin. Carrefour. On a fait le plein d'essence du bahut, enfin, de gasoil. On a mangé. Et là, on reprend la route. Donc, j'ai regardé. Je pense qu'en moyenne, ça va être 70 km/h. Donc, il y en a pour 5 heures. À peu près. Ouais. Voilà. Ça roule pas mal, mais il y a du boulot à faire pour que ce soit plus confortable. Ouais. Ah la vache, comment ça se coule la panse. On est trop contents. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous, nous on est parti pour 5 heures de route. Allez, il est 2h du matin, on vient d'arriver. Les enfants vont pas tarder à aller au lit, je les ai mis en pyjama. Nous, on va se coucher et je lis tous vos messages avant de faire dodo. Parce que là, il y en a un paquet, je vais me faire déborder. Dodo. Ah oui, oui, je le fais ce soir. Toi, ouais, ouais, ouais. Moi, c'était bien l'aventure. C'était bien l'aventure.
C'est pas une voiture. Vous savez ce que j'ai redécouvert depuis, depuis longtemps, un truc que je connaissais pas avec Captain, le mal de dos. Allez, bonne nuit, bye bye. On vous en dit plus demain. Allez, ciao, gros bisous. Et merci pour tous vos messages de soutien. Allez, ciao, bye bye. Hey, salut à tous. Voilà, il est quelle heure? Il est 8h, petite nuit, mais bon, j'ai pas arrêté de réfléchir dans la nuit, normal, vous commencez à me connaître. Et voilà. Bon, priorité, enlever cette grosse galerie où il y a une, bah, carrément une voie d'eau en fait. Il y a de l'eau qui rentre de là-haut, par les trous de vis. Et ça, il faut absolument que j'arrive à l'enlever. Donc elle est hydraulique. Donc on va essayer de la faire descendre parce qu'elle se descend. Et si j'arrive à la descendre, après je la déboulonne, j'avance, elle tombe. Et voilà quoi. Et puis tout le reste, ça, j'arriverai à l'enlever, ça sera assez léger. Et il faut que je regarde aussi si le haillon il fonctionne parce que j'aimerais bien faire un porte-moto avec. Voilà, j'aimerais bien. Après, faut voir si le système ne sera pas trop lourd, si ça pourra bien s'adapter, parce que ça soulève une tonne, donc c'est assez costaud, ça risque pas de plier, et ça m'évite de refaire un porte-moto tout simplement amovible en fait. Hein. Allez, c'est parti, on découvre l'intérieur. Bon, là, il y a une échelle, pas de sécurité d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se sortir toute seule pendant la route, mais bon, ça va, ça l'a pas fait. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ça, faudra la déporter sur la droite. Ici, ça va être fermé et il y aura une entrée sur la droite. Voilà, donc des gros meubles, tout en acier. Vous voyez ? Ça, ça va être à démonter et puis emmener à la ferraille. Enfin, on va peut-être en garder un peu. Jean-Philippe, il a dit qu'il faudrait peut-être en garder, on sait jamais si tu as besoin. Et c'est pas bête du tout. Mais vous voyez, c'est vraiment du gros meuble en carré. Ça doit être du 2-3 mm d'épaisseur. Donc là, moi, je dis, tous ces meubles-là, il y a facilement... Ouais, je pense qu'on n'est pas loin de la tonne en acier, là. Parce que franchement, regardez tous les meubles. Regardez. Ça, c'est pas le truc que vous tordez. Hein. Vous avez vu comme c'est costaud? Voilà. Donc... Et j'ai une voie d'eau là-bas. Un petit court, enfin, je l'enlève aussi. Vous voyez là-bas, petit champignon, c'est un tout petit peu gonflé. Et il faut reprendre maintenant, après il sera trop tard. Mais maintenant il y a encore moyen de reprendre le truc. Voilà, donc c'est du panneau contreplaqué marin fibré en à peu près 22 mm. Vous voyez, il y a un petit peu d'eau qui passe, donc il faut tout virer et enlever toutes les grosses vis là-bas. Parce que ça, c'est la galerie. Il y a des trous partout. Il faut tout virer, tout boucher, tout refibrer. Et puis comme ça, la caisse, ça va pouvoir commencer à s'assécher. Et ça, c'est le groupe hydraulique, en fait, qui sert à faire descendre la galerie. Donc c'est pareil, ça sera à faire fonctionner plus tard. Et voilà, il y a télécommande et tout, ça, je sais pas du coup à quoi ça sert tout ça. Ça se trouve, ils s'en servaient que de la télécommande. Monter, descendre. Ah. Ah, ah, ah. En fait, ça viendrait. Ça sert pour le bas. Alors, regardez cette petite télécommande. Qu'est-ce que ça fait? D'accord. Moi, ce que je veux voir, c'est quand le haillon il est arrivé ici, est-ce qu'on a toujours un bon angle d'attaque? Bien entendu, la barre anti-encastrement, il faudra la faire amovible, avec les feux, tout ça, pour les protéger, quand on fera du tout-terrain. Mais ça, faut regarder, quoi. En tout cas, ça fonctionne bien. Excellent. Voilà. Vous voyez ça au moins? Ça au moins, ça bouge pas, quoi. C'est du costaud. Voilà. Comment on est en dessous? Ah, mon téléphone. Voilà. Voilà. L'angle d'attaque, c'est ça. Regardez. Vous voyez, c'est ce qui part de là-bas de la caisse et qui revient ici. Y arrive. Voilà, c'est ça l'angle d'attaque. Ok, donc l'idéal, c'est d'en avoir un qui soit bien. Et là, vu que c'est levé,
Il y a juste ça qui est embêtant. Donc ça, si je peux le faire amovible, j'arrive à le remonter pour faire du tout-terrain, et ben ça pourrait le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'avantage de ça, c'est que c'est costaud, quoi, du coup. C'est super costaud. Il y a juste la barre anti-encastrement, faire amovible, faire quelques modifs, mais je pense qu'on pourrait être pas mal. Si vraiment ça va pas, tout ça, ça dégage, ça vire, je fais un coffre comme ça, en pente, et on mettra un genre de treuil ou un genre de palan pour soulever la roue de secours, parce qu'il y aurait deux roues de secours au-dessus de la moto, et la moto en dessous. Mais voilà, après, ça, c'est à étudier. Mais là, ça pourrait le faire. C'est sûr qu'on n'aura pas un angle d'attaque aussi important que si on l'enlève. Donc, il faut vraiment faire un choix. Est-ce que, Jérémy, tu préfères avoir ton porte-moto et pas avoir à la faire et puis que ce soit bien costaud comme ça, hydraulique? Ou alors est-ce que tu veux faire tout simplement un palan avec un treuil qui sera beaucoup plus léger aussi et qui te permettra d'avoir un angle d'attaque beaucoup plus important à cet endroit-là? Voilà, on essaie de faire marcher la galerie. On a réussi à faire marcher une chose déjà, c'est déjà ça. Voilà, ça fonctionne pas, c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a l'hydraulique qui pousse, mais que c'est bloqué. Alors je sais pas s'il y a une sécurité là-haut pour le débloquer, je vais aller voir ça. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment du gros, c'est de la grosse ferraille. Donc je sais pas pourquoi il ne veut pas se débloquer, il y a des graisseurs un petit peu partout, j'ai regardé, il n'y a pas de loquet d'arrêt en fait, donc normalement ça devrait monter. Ouais, ça devrait monter. C'est bizarre. Le vérin, ça doit agir ici. Ok. Non. Pareil, pas de loquet d'arrêt. Enfin, ça avait une sécurité pour la route. Là, pareil, y a rien. Et si le vérin, il est un petit peu squinté, là, faudrait peut-être que je passe un petit coup de papier avant qu'il se rentre dedans. Pour éviter de casser le joint en attendant de le démonter. Vous voyez, tout ça, c'est beaucoup trop lourd. J'ai pas besoin de tout ce système-là. Moi, ça me sert à rien du tout, mais alors du tout. Oh j'arrive pas et ça m'énerve. J'ai de l'huile dans le circuit hydraulique, j'ai de l'huile dans ma pompe hydraulique, et quand j'actionne dans un sens ou dans l'autre, il n'y a rien qui se passe. Bonjour, bienvenue dans ce petit reportage de The Vadrouilleur Forever. Non, je déconne. Salut à tous. Donc là, Jérémy a ce matin, donc il était déjà au taquet. Il a déboulonné, meulé, il a tout fait pour que la galerie elle ne tienne plus sur le toit du camion. Je suis congelée. Et donc du coup, là, on a mis la voiture, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a attaché les grosses sangles sur la tâche boule de la voiture. Et ça va y aller. Hein. Ça et va y du aller. Coup, donc là, avec les grandes sangles, du coup, normalement, ça va glisser tout seul. Ouais, elle m'énerve, j'ai envie de l'enlever là. Elle m'énerve. Il n'y a pas de risque. C'est pas bien, mais ça risque rien. On va y aller gentiment. Mm. Tu vas me guider. Mm. Hein, on voit bien. Moi, je dis qu'il y a des risques, mais bon, il ne veut pas m'écouter. Donc au final, bah voilà, ça va être assez fun, quoi. Allez, on laisse place à l'artiste. C'est parti. Allez, tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de chien, il n'y a pas d'humain. À certains endroits, il y a le, c'est un peu collé, donc on va essayer de lever, quoi. Jérémy va essayer de lever la galerie pour pouvoir mettre des tiges en ferraille ou des petits rouleaux ou ce qu'il trouve pour pouvoir la faire glisser, en fait.
Parce que là, comme il y a du poids, il y a pas mal de poids, il y a au moins 400-500 kilos, je pense, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, voir si ça va mieux avec, avec les petits rouleaux. Allez, affaire à suivre. Bon, bah voilà, comme on le pensait, les petits rouleaux, ça a quand même, ça l'a fait avancer d'à peu près 1 cm. Donc je pense qu'elle va venir toute seule. Et je suis pas rassurée. S'il m'entendait dire ça. Charlotte, arrête d'être négative parce que ça va pas aller. Allez. Bon chouchou, tu me guides. Hein. Bah, allez, ça va le faire. On va y aller gentiment. Je te guide, tu sais quoi faire. Ça va tomber d'un coup. Non. J'ai laissé les cales sur les côtés, ça devrait faire un guide. Normalement, si on... Ou alors, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. C'est où on y va gentiment. Ça tombe, avec de la chance, on remet une corde en haut pour la maintenir en l'air. On sort le camion, on redescend la... Ou alors tu vas comme un bourrin. Ou alors, je fais... Et là, la galerie, elle saute. Mais si on n'a pas assez de vitesse, elle peut retomber et aller rentrer dans le camion aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Bourrin moi, ou pas je, moi, j'en pense rien. Moi, je... Bourrin ou pas? De toute façon, les deux, ça pue. Les deux, ça va faire du caca. Mais non, si tu pars comme ça... Vous voyez, je vous l'avais dit. Ton échelle, de toute façon, c'est clair, tu la reverras plus. Hein. Dis-lui au revoir maintenant. Hein. Ouais. Ouais, bah ton balancier, il va rien servir à rien. Tu mets 500 kilos sur ton échelle. Ah ouais, l'échelle, ça fait balancier. Ouais. Exactement ce que je voulais. Et maintenant, regardez bien. En fait, oh l'échelle. Bah ouais, je te l'ai dit. Ah ça, ouais, ça l'a coupé en deux. Ça l'a coupé en deux. Non, mais je pensais pas quand même. Ah ouais, tu mets 500 kilos. En fait, elle est tombée, dès que t'as bougé, elle est tombée en fait. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Maintenant, regardez bien. C'est exactement ce que tu voulais en faire, fait, couper ton échelle à la en base, deux. Cette galerie, elle est capable de faire ça. Avec des vérins. Oui, mais bah moi, j'ai pas réussi. En fait, les petits vérins hydrauliques, je sais pas s'ils étaient grippés ou pas, mais bah le système, il voulait pas aller en fait. Well, I follow you around like a dog on a chain. Since I found your love, it's always been the same. I'm never out late, I do anything you ask to get a pat on the back. I swear that I've been on every airline from Memphis to Seattle to be by your side. And I got nothing left now but a dollar and a dime. Can't buy peace of mind. And all that I am today, if I were a little more sane, oh well, I'd probably quit drinking, keep some money in the bank. And if I could, I swear I would hide your memory away. I wouldn't have to walk around calling out your name. Eventually I might learn other ways, but not today. Pourquoi tu la laisses comme ça? Through dead malls and lake falls and eastward skies, we send familiar heartache down telephone lines. It makes me wanna lock you in the house sometimes. Well, I was born a lucky guy, and it's all that I am today.
sent un bon mon petit mari quand même. Ça a bien fait comme j'ai dit, ça a glissé en fait. Vous voyez, ça c'est les pattes d'accroche pour le camion. Et ben, il n'y avait même pas de colle, il n'y avait rien du tout. Alors tu as toutes les vis, il y a de l'eau qui rentrait. Il n'y a même pas eu de colle. Ça a été monté par des carrossiers professionnels et les trous n'ont même pas été bouchés. Ben, moi quand je vois ça, moi qui m'efforce à boucher tous les trous, à faire des trucs étanches, quand je vois ça, je suis dégoûté quoi. Franchement, non ? Ouais, c'est clair. De ouf. On a fait des mini-ornières dans ton jardin, Jean-Phi. On est désolé. Jean-Philippe, je sais pas où y est ton balai brosse. Du coup, j'ai tout fait à la main. Hein? Regardez, c'était tout dégueulasse comme ça. Regardez comment j'ai réussi à tout avoir. Il me reste plus qu'à tout rincer. Et c'est bon. Donc, j'ai bouché environ une vingtaine de trous où ça prenait l'eau. Et du coup, c'était pas protégé. La galerie a été posée. Et il y a eu des trous de fait, mais ils n'ont pas mis de colle, pas de mastic colle, rien du tout. Les vis étaient comme ça, même la cloison. Donc bah forcément, il y a eu des entrées d'eau quasiment partout à toutes les vis. Et bah voilà, ceux qui disent que le bois, le contreplaqué marin fibré, c'est pas costaud, c'est pas vrai. Hein, parce que là, ça a été installé apparemment en 2009, l'échelle, enfin le dernier contrôle. Donc le bois, il a juste gonflé un petit peu à certains endroits, mais il s'est pas, vous savez, il a pas pourri quoi. Donc là. Bon, on va faire tout sécher, j'ai mis du mastic partout, voilà, en provisoire, pour que la caisse elle soit saine et qu'elle sèche. Voilà, donc je finis tout ça, et puis et ça va être bon pour aujourd'hui. Je suis content, parce que je pensais pas faire tout ça aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Voilà, et les gros meubles en ferraille, j'ai dit à Jean-Philippe, à mon avis, il faudrait peut-être que tu les récupères pour mettre dans ton garage, parce qu'ils sont super bien, comme lui, il bricole beaucoup, c'est des meubles en hauteur, avec des rangements, tout ça, établis et tout, donc ça pourrait bien lui servir à Jean-Philippe, ça serait cool. Voilà, donc prochaine étape, démonter tout ce qui est meuble à l'intérieur et puis voir après ce qu'on fait pour le haillon élévateur, si on le garde ou pas. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, gros bisous et puis bah samedi sûrement pour d'autres vidéos ou plutôt, je sais pas encore comment je vais faire là, je suis parti, je suis au taquet, je suis à fond, donc sûrement 3 vidéos par semaine et voilà, faut que ça se finisse vite, on se laisse 4 mois pour finir tout ça. Et on est de nouveau sur les routes. Voilà, comme j'avais dit, cet été, il faut qu'on soit absolument sur les routes. Il n'y a pas le choix. Gros bisous à tous. À bientôt. Bye bye.